Bon, bonsoir. Et bonsoir YouTube. Alors attends, on va juste. Bienvenue sur Comme d'habitude Gaming pour un nouvel épisode de War Tale. Avec Shinai, bien sûr. Avec Shinai, ouais, mais bon, on l'aime c'est... pas. C'est moi ou c'est rangé n'importe comment? L'air d'être rangé n'importe comment cette histoire. C'est moi ou mon mur il a pas été soigné? Non, bah non. On a plus de remède, hein, on a plus rien. Donc moi je dois même avoir plus d'un blessé. Si tu veux tout savoir. Ah ouais. Stivian, on va compacter les gens autour. Hop, Taurus par là. Normalement Taurus ça devrait le mettre à la place de Mavig. Le premier qui joue, c'est pas. Il est pas très très important à aller taper. Non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. C'est-à-dire qu'on peut jouer mon mur tranquillement. Ouais, et si prendre un petit pactole de points. Petit pactole de points. Ah, Mélanine et mon mur, c'est la relation entre Mélanine et mon mur se sont améliorées. Et oui. Et oui. C'est le capitaine après tout. Il est bien ce petit bouclier. J'aime bien. Ça t'a coûté un point pour le taper là? Là ça m'a coûté 2 points en tout et pour tout. Parce que je lui ai mis une frappe déstabilisante suivie d'un coup de bouclier. Un courroux suivi d'un coup de bouclier. Enfin du coup pas de coup de bouclier parce qu'il est mort. Mais on l'aime bien quand même. Je vais me coller à tes archers, parce que je crois qu'il y a un de tes archers qui aime bien. Voilà, c'est ça, il y a un de tes archers qui aime bien son capitaine. Ouais, c'est Vinlan. Wow. Super. Bon déplacement de port. Le déplacement, hein. Génial. Est-ce que tu veux balancer mon mur ou je peux balancer un Zinlen Pose un Zinlen, ouais. Je crois que j'ai peut-être bloqué Zinlen, non? Non, Zinlen normalement il est pas bloqué. Non. Alors on a peut-être pas mis le feu au cochon qui va se déplacer. Alors tu vois ce qui est bien par et qui contre... va taper mon mur. C'était pas ta meilleure idée, gros. Alors, je sais pas pour toi, mais je trouve que c'est quand même la meilleure idée. Alors, je vais juste m'avancer un peu. Pour vraiment avoir tout le monde. Voilà. Mais je sais pas si t'as remarqué, mais quand j'ai mis le feu. Putain, il est sérieux. Bon, c'est pas grave. Allez, meurs. Quand j'ai mis le feu, ça a enlevé les moustiques. Ah, pas mal. Pas mal du tout, en effet. J'avais pas fait gaffe. Et tourner manège et tourner ménage. Ouais, faut vraiment qu'on le retape en fait dans DPS, hein, le monsieur. Hein. Ouais, oh, y a des tas de choses à faire, je pense. Et encore, tu vois, là, c'est intéressant parce que il a vraiment frappé quelqu'un qui avait un malus. Donc ça veut dire qu'il avait 20% de dégâts critiques supplémentaires et 20% de... Oh, il est glorieux. Certains disent même qu'il est chromé. Et il est brillant. On peut jouer deux alliés. Je propose de mettre Taurus avec tous ses bons points. Oui. Ouais, par contre, je prends du poison si je bouge Taurus. Vraiment, je bouge pas Taurus. Ah putain, par contre, j'ai pas le reste du crew donc c'est chiant. Donc si je vais bouger Taurus, Taurus sera empoisonné. Voilà. Oh là, par contre, il ne manque personne. J'ai tout le crew. Voilà. Ça, par contre, cette perk là est vraiment cool. Je vais m'approcher de ton coup parce que j'aimerais éviter d'avoir les mouches sur moi en plus du poison. Voilà. Par contre, il va falloir repasser par une forge, hein, monsieur. Dès qu'on passe en ville, il faudra passer par la forge. Bah, pour reforger des trucs. Bah, déjà rien. Pour forger des trucs, ouais. Bah, oui, sauf qu'on n'a pas de matériaux. C'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on peut pas, monsieur. Je rappelle que le seul truc que j'ai pu forger, c'est une couillette terminée. Et une armure de fer de base, là, à ma Mavic. On n'a plus rien. On n'a plus un matériau. Okay. Ça, c'est pas que je veux pas, hein. Mais il faut qu'on trouve des mines. Faut qu'on trouve du matos, hein. On a rien du tout. Le type qui alors moi j'ai rien besoin de jouer, donc je peux te générer du point en déplaçant. Je peux pas déplacer Will. Si. Déplacer Will contre Sophia. Voilà, je peux pas aller plus loin sinon je prends du poison. Ça, je génère du poison. Il nous aide pas trop là.
Ouais, on peut malheureusement rien faire. J'ai presque envie de dire, si tu peux, Sophia, peut-être déclencher son pouvoir pour qu'au moins la prochaine fois, quand je passe le tour de mes lieutenants, on gagne 2 points par 2 points, tu vois. Je vois que ça, parce que normalement, là, si tu bouges, tu prends du poison. Parce qu'il y a une petite flacasse de poison nul là. Ah, tu l'as pas prise. Ok. Nice. Oh, c'est pas la peut-être plus vers le bas, peut-être plus vers Mavic dans ces cas-là. Parce qu'il y a encore un paquet de cochons à gérer. Ouais, ouais, je vois. Elle, ça. Si elle bouge. Attends. Là, je suis pas dans le. Non, il va bouger, il va mourir. Le crocopore, il va mourir. Oui. Je me perturbe pas. Joué. Je me dis juste que si on a 7 points, ça pourrait être sympa d'aller lancer un réparo sur Os de Bard. Parce que finalement, Os de Bard n'est qu'une armure d'os. Ce n'est pas un individu. Bah écoute, on rappelle ça. Que le mec se prend pour un loup, un ours, il est pas au courant. Ah, merci. Très appréciable. Par contre, je peux rien faire d'autre. Bon, on va se paquer là. Hein. Non, peut-être pas. Je te bloque peut-être, Marceau. Il reste qui à jouer? Ah bah, ok. Un point. Waouh. Un nouveau round commence. Est-ce que t'as des choses à jouer en particulier? Bah c'est lui qui... C'est Crocopore là qui joue en premier, donc à toi si de tu voir. Veux, je peux l'engager. Je peux me placer sur le côté pour pouvoir engager deux ports à la suite. Ok. Je vais te l'affaiblir un peu là, je vais l'attendrir. Bah c'est pour toi qui va l'affaiblir. Ah bah elle... Bah non, ça va être pour tes couteliers. Oh regarde, tu vas en générer deux. T'as généré deux points. J'ai. Yes. Du coup je peux peut-être lui mettre mon lieutenant sans qu'elle prenne... Ouais. Y'a une idée, regarde. Regarde, il se passe des choses. Soyez témoin, doublé, je peux me mettre là normalement. Ouais, mais c'est pas doublé. C'est pas du temps, c'est pas la force de base. De quoi? J'ai vu un critique, ok. Pas mal. Je peux mettre une zone. Je sais pas si. Attends, fais pas le con. Bah, je fais pas le con. Avance. Ici là. Va au cac et fais-lui ton coup, tu le tues. Certes. Il est vrai que je peux faire ça. Tu gagnes la fureur, tu mets ta zone, le mec il va prendre le tarif et tu vas générer 2 points. Voilà. Bien vu. Et j'ai généré 2 points pour... Ah oui, parce que je finis à côté de quelqu'un. T'es un génie, mec. T'invites à jouer ton deuxième lancer. Vous ne passerait pas. Jamais. Je pense que les termes ont été liés. Tu recules. Ou tu hercules, comme certains disent. Mais c'est parce qu'ils ont pas tous les mots de la langue. S'il y a rien en dessous de Dan Midlife, bon, je sais pas, si t'as des gens à jouer ou pas. Pas grand chose à jouer. Je peux aller terminer le crocopore ici, mais il a joué. Ce serait bousiller une ressource pour rien. Il y a pas grand chose d'intéressant. Il y a personne en dessous de la moitié de sa vie. Je vais jouer ça. Hein. Ouais, mais tu le ralentis, non? Non, j'ai pas ralenti. Ok. C'est vraiment pour qu'il vienne en fait et qu'il meure sur la zone. Ok, bien vu. Et je vais m'éloigner. En plus, c'est très bien parce qu'il atteint même plus Os de Bard. Si jamais il ne mourrait pas. Il l'atteignait pas. Il a quand même 4% de rats. Attends, les buffs de Zinlen, c'est 10%, 5% de dégâts supplémentaires, 20% de dégâts supplémentaires, 30% de dégâts supplémentaires. Oui, mais bon, tu connais la chance de Zinlen, avec ça, il est capable de faire 4 dégâts, quoi. Ouais, tiens d'ailleurs, qui est moche, quoi. En parlant de chance, est-ce qu'on parle du donjon de Nalbuck et ses échecs critiques en de suite? Ah, voilà.
Non, mais je te dis, à un moment donné, le jeu il passe en espèce de difficulté. En espèce de difficulté à la Darkest Dungeon. Où tu te fais pourrir la vie. Toi, tu rates tous tes jets de dés. Les mecs te font des réussites critiques. On le voit hein, dans une de mes vidéos. Mon dieu, le jeu il est en mode Darkest Dungeon. C'est-à-dire que vraiment. Là d'ailleurs, la dernière vidéo que j'ai postée, c'est celle où il y a un ogre dans l'équipe en face. Je me dis, tiens, je vais le tomber. C'est lui qui détruit toute mon équipe. Un ogre qui se balade tout seul, qui touche tout le temps, qui ignore tout, il va s'en faire les couilles. Je me suis fait rouler dessus par un ogre. Voilà. C'est surtout qu'en vrai, le plus gros reproche que j'ai à faire à Donjon de Nullbug, c'est que quand tu débloques tes premiers passifs, ils t'incitent à jouer tes personnages collés les uns aux autres. Sauf qu'en fait, c'est une Ouais. mauvaise idée, puisque tout le long du jeu, en fait, à chaque fois, tu te prends des attaques de zone, donc des gens qui visent tout ton groupe. Donc en fait, le jeu t'incite de base à faire une fausse bonne idée. Et moi là, Voilà. tu vois, j'ai pris les passifs où ils te donnent des armes, ce genre de choses supplémentaires. Mais mon voleur, là, c'est le seul qui joue en mode quand il est tout seul, il gagne 5% de chance de coup critique. À toi de jouer. Ouais, mais grand, il n'y a plus rien à jouer là. Elle est là. Te mets pas trop. Faire ça. J'ai pas une T'as hache plus de de jet moi. hache? Non. Ah, j'ai plus de hache de jet. Ah, bah j'ai plus de Ah hache là de là jet, là j'ai là. tout gaspillé, c'était bien. Oh putain, Bah reviens en je suis un arrière parce que débile. sinon il va te taper pour rien, Ah putain, monsieur. oui, mais je clique pas sur le bon. Je multiclique. Je cliquetis. Je cliqueta. Il multiclique. J'ai pas un mec qui peut passer son tour qui sert à rien. Ouais, voilà, genre à mon beau mur. Ah oui, t'as déjà le meilleur ami, Alors donc faut pas que attends. je bouge. Après, il a l'inspiration, il peut pas venir jusque-là. De quoi? À mon Tu veux beau qu'il aille mur. où? Il peut aller jusqu'où? Oh non, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse Non, tomber. je sais pas, c'est parce que t'as le meilleur ami. Avec Ouais, bon, ça à c'est mon beau mur. pas ça. Ok. 196 Alors dégâts sur un mec à un point de vie. Fait toujours plaisir, non? Voilà. Voilà. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Non, 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 il a Je pas le vais. soin Zinlen sur lui. Ouais. Si, si, il l'a, Ça il l'a. soigne. Non, pas os de barre. Je suis con. Y a personne à soigner en fait. Non, j'ai rien dit. Non, il n'y a personne à sonner. Je rien dit. Cours, Forest, cours. Je cours, je cours, je cours, je me raccroche à la vie. Exactement. Et. Tu pètes, tu trouves ton slip, bien sûr. Et pan! Et pan, ça fait des chocs à pic. Wow, mais alors bien grillé. Très joli tir. Wouah! Non, stylé, stylé. Ouais. Dire ce qui est. Bon, je mets pas de zone, hein, ça sert à rien. Ah. Il va où? Bah, il a choisi le suicide. Il a choisi la voie du suicidé. Ah, mon beau Pardon. mur. Ah, mon os de Pardon, barbe. pardon. Oh là là. Le choix. Tu recules! Voilà. Le choix plus que douteux d'un homme. Wow. 51, 15. Ok. Ah, et les moustiques, ils ont disparu. Qu'est-ce que c'est Ouais. ça? Parce qu'il y avait du feu. Quoi? Non mais... Il y avait du feu. Ah non, j'en C'est sais pas rien. normal. Je suis en train de me demander si c'est parce qu'on n'a pas changé de temps. Ah, peut-être. C'est l'éclairage, il a changé. On a changé de temps. Mais ça Ouais, veut est-ce dire que que tu veux que les je... moustiques au crépuscule, ils disparaissent? Ou j'ai pas compris là? Je sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je peux potentiellement terminer hein, en utilisant un point que je Ah, pas récupère. Zinlen, non, alors ça va, et ça suffit, hein. On a marre de le voir, ton Vas-y, go. super-héros nul, hein. Dans ce cas-là, joue. Bah non, il joue Sophia, la plus grande de toutes les héroïnes, elle va nous débarrasser de tout le groupe, et voilà, terminé. Bah, j'ai raison ou pas? Elle peut. J'ai raison, hein. Ça dégoûte un peu que j'ai raison comme ça. Allez, regarde! Bah si, non, non, on va chercher le dernier, chercher le dernier, hein. Oh. Oh. Voilà. Voilà, charcuterie, saucisse fromage. Allez, Couteau t'as de un petit peu de cuisine, couteau pain. de salle à manger. Non, pas encore. Couteau de fer à repasser. Écoute, ah bon? Carrément? Ça devient politique, monsieur, à ce niveau-là. Ah ouais, wow. On n'a plus rien.
T'as des Mais bien sûr qu'on n'a plus rien, on est en train de se battre depuis 8000 ans. Là, on a enchaîné je sais pas combien de combats les uns derrière les autres. Ah, par contre, on l'aura. Crois-moi bien qu'on l'aura rentabilisé notre. Notre machin là, drapeau à la con. Oh là là, attends, le sens de la carte, le sens de la carte, le sens de. Ouf, ouah, ça reviendra, mais si fort chez moi. Voilà, justice, bouge, 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 bouge! Cours, 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 cours. Tu cours pas assez vite, hein. Tu me permets? Non, non, je permets pas. Permets, monsieur. Je permets rien du tout là. Des trafiquants de drogue! Vite, bagarre. Je sais pas ça. Non, je crois qu'on peut leur acheter des remèdes ou des conneries du genre. Mais il y a la ville à côté. Attends, je vais leur parler, voir. Ah, ils vendent aussi quelque chose, hein. Genre là, l'huile d'essence pestiférée. Dégâts infligés aux pestiférés augmentés de 25%. Ça vaut le coup, ça? Ah bah ça, je sais pas. Par contre, moi, j'ai une babale à lui vendre. Un bouquin dégueulasse. Ah oui, tu peux lui poser des questions. Ouais, on va lui questionner. Un fugitif dans le mist ne ringe pas, pour être honnête. Anything else I can do for you? Est-ce qu'on utilise 80 ou on les menace? Non, on est déjà assez recherché. On est déjà assez recherché. Je pense qu'on peut débourser 80. Soyons sérieux. Ouais, ouais. We did see some bloke getting chased by a tracker, but he wasn't one of ours. The two of them went around the hill behind the Moritega farm, straight to the cursed village of Lathire. Oh, le village maudit. If you decide to go after them, you'll need what we're selling. The place is crawling with plague-ridden monsters. Bon, ça va. On te prend ta petite formule magique quand même? Vas-y, pour ça on peut les débourser, hein. Ouais, on va prends, prends bon là, je t'en prie, c'est pour toi. Tu peux... Serre-toi. On va se faire un bon pactole. Alors c'est quoi les morceaux de crocoporc? Les écailles de crocoporc, on s'en fout. Là, ouais, bon, on va tout garder. Ouais, c'est ça. Bah, puis au moins ça te permet d'en crafter une, ça nous fait toujours un point de connaissance, un machin, voilà. Alors, j'ai peur hop là, je vais traverser le brouillard dégueulasse, voilà. J'ai peur que la craft, ça soit compliqué, en vrai. Attends, attends, il y a des trucs là. Non, non, non. Oh, c'était cool. Mais. Oh, il y a des. On les laisse se friter ou on va attaquer des sticks? Ouais, on les laisse. Non, 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 on les laisse se friter. Ah, moi, j'ai l'argent. L'argent. Le clan Garoussa. Ah oui, je vois le type d'argent que tu recherches. Oula. Je... T'as entendu le. Ya Force de l'ordre ou de je ne sais qui. T'es allé chercher des trucs dans le compendium, je crois. Oui, juste le. La recette que j'avais. D'accord. Il y a un alchimiste. Vite. Voilà. Allons alchimiser les choses. Je crois qu'il faut que je tape une sauvegarde parce que tu vas tenter de faire ton truc d'abord là, non? Oh, des bouteilles vides. Ça peut nous être utile. Ah, ils vendent des huiles. Mais oui, maintenant ils vendent les huiles. J'ai plus besoin de les craft presque. De l'huile explosive. Chaque fois qu'une compétence inflige des dégâts, 50% de chance d'infliger à sa santé max, 5%. Oh, 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 ça c'est drôle. Ah, il faut juste de l'essence. Et vas-y, vas-y, achète-les de toute façon. En plus, ça te demande rien en éléments rares. Et tu veux des écailles de crocoporc? J'ai, tiens, vas-y, tiens, ça me régale, ça me régale. T'hésites pas, tu demandes, hein, on te remplit. D'ailleurs, je tiens à rappeler, je sais pas pourquoi, j'ai toujours 3 grés sur moi. Hein. C'est pas, normalement, c'est pas moi qui me sers de ça, mais hop, moi je lui vends ça. Normalement, je me sers pas trop de ce genre de truc. L'essence vierge, l'essence vierge. Ah putain, il en faut de. Bordel. Est-ce que tu veux que je sauvegarde? Non. Parce que t'as ton truc de récupération des éléments si jamais tu vas faire des essences vierges. Ah, ouais. Ouais, non, ouais, je vais faire une sauvegarde, ouais, ouais, comme ça il y aura pas de démon. Eh ben, fais-la ta sauvegarde. Ça y est, elle est faite. Tu peux y aller. Alors, faire des mélanges obscurs. Ah ouais, fais du givracier, ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, on ouais, va ouais. Faire. Ouais. 5 essences vierges. Oh là, ça lag. Oh là, ça lag. Ah, c'est peut-être un peu à cause de moi. Hein. Mmh. Oui, je suis en train d'installer des jeux vidéo pour tester des trucs. Ce qu'il y a dans les. Vas-y. J'ai récupéré pas mal de choses. Attends, est-ce que j'ai pris ces bouteilles à elle?
You won't find any plague remedies. Oui, j'ai pris ces bouteilles. Ces petites bottles. Bah c'est le moment si jamais par exemple t'as des essences en rap par exemple, je crois que ma vigue elle en a pas. T'as des gens ils ont pas d'essence en fait, ils ont pas de gasoil. Ouais. Genre Horse de Bard il a, et huile de force étonnamment. Notre chef il en a. Taurus il a rien. Bah, par exemple. J'ai l'huile explosive sur Taurus, ça peut être drôle. Allez. Sur Taurus. Ça peut être rigolo drôle. 50% de chance d'infliger à sa santé, 5% de... Oh, t'as une chance sur deux, quoi. Vas-y, hein. C'est pas mal. Et tu sais que sur Rose de Bard, ça aurait été intéressant pour le coup. Hein. Non, lui, je lui mettrais une huile d'affilage plutôt. Ouais, tout à fait. 10% en même temps, sur Rose de Bard, tout est intéressant, parce qu'il tape tellement de fois, que tellement de chances de proc son truc, que forcément, c'est intéressant. Je nous ai fait... Will il a rien sur sa lance, mais normalement il va pas tarder à changer de lance au passage. Oh yes, je prends un remède. Même deux d'ailleurs, je prends. Parce que Os de Bard il est endommagé. Voilà. Voilà. Et mon mur il est endommagé. J'ai récupéré ça, j'ai récupéré ça. Donc je te remonte deux bouteilles. Ça. Ah oui. Oh, bon écoute, parfait. Ah oui, ça, il y a deux bouteilles, c'est deux remèdes supplémentaires. Ouais. C'est pour moi les trois remèdes qui traînent. Ouh, ça je le prends. Oui, oui, oui. C'est pas pour là. Dans la poche. You won't find any plague remedies in this shop. Alazar refuses to give us any. Donc j'étais en train de regarder. Will il a pas d'huile. Stevie en... il a pas d'huile non plus. Mavig elle a pas d'huile évidemment. Donc en fait j'en ai deux qui ont des huiles et j'en ai quatre si jamais t'as des huiles en rap que tu sais pas quoi en faire. Tu me dis ce que tu veux que je leur mette, je leur mets quoi. Non. Est-ce que t'as de l'agglomérat gris, s'il te plaît? C'est pour moi. Agglomérat gris. Le truc qui permet de faire ton givracier. Ouais. Hein. Non, c'est toi qui les as tous. Ouais. C'est vrai, t'en as pas récupéré en minant? J'en ai aucun, moi. Ok, et eh ben on peut quitter si tu veux. Ouais, tout à fait. Sortons d'ici. On attend de Knarfang. Tout à fait. Ça va, hein. C'est en train de se faire. L'apothicaire, tu l'as vu. Y'a pas de forge. Pas de forge. Le marché. Non, y'a pas de forge. De toute façon, on a rien. On a 41 de métal. Tu fais. Enfin, je mets même pas 41. Excuse-moi. J'ai 18 de métal. Tu forges une armure avec ça. C'est tout ce que tu fais. C'est vrai. Et on a pas de givracier. Donc, sans givracier, on passe pas au-dessus. Ah, elle vend des choses. Oh, elle vend du chanvre. C'est des cordes, hein, c'est rien d'intéressant. Non, c'est pas que des cordes, c'est, je rappelle que je peux faire la boisson au chanvre avec, oui. Pour les alcooliques, pour voir si on peut enlever le trait alcoolique. Il faut du lait, mais ça peut être intéressant, prends-les quand même, stocks-en. Au pire, on a de quoi faire des cordes au milieu de nulle part. Bois, on a 20 bois, est-ce que je lui prends son bois? Non, ça devrait aller. Je te préviens, le bois aussi, ça descend vite. Est-ce que tu veux prendre ces coussoutes pour toi, te faire des popos à l'infini? J'en ai 36. D'accord. Ouais. Est-ce que c'est à elle qu'il faut lui vendre notre merdier ou pas? Oui, c'est à elle. T'es sûr? Ouais. Il fallait lui vendre quoi? Des draps? Tout. Non. Tout? Non, il faut lui vendre quoi? Bah, me dis pas draps. Tout parce que là on vend à perte. Deux draps. Deux. Quoi? Oui. Qu'est-ce qu'on doit lui vendre? On doit lui vendre deux draps normalement. Deux draps? Bah, je vais lui vendre deux draps. C'est simple. Hein. C'est simple, hein. Tu ouvres ta map et c'est deux draps au clan. Voilà. Mais comment ça on vend à perte? Bah en fait monsieur elle vend des épices. Donc les épices on en a deux, on les revend à 40 balles. Elle vend des poteries, ah oui. On vend, excuse-moi, elle vend de l'ambre. On a 10 ambres sur nous, on les vend à perte. Elle vend 5 fourrures, donc si on a des fourrures, on les vend à perte. Là tout ce que je peux lui vendre, pas à perte, c'est des poteries. Et des draps, donc je peux lui vendre le reste des draps, si on veut. Et les poteries, j'aimerais savoir, parce que je les vends quand même à 126, donc c'est intéressant savoir à combien on les a achetés. Les poteries, on les a achetées à 67. On les vend presque au double, mais je crois savoir qu'il y a encore une cité plus loin que ça, non? Je crois pas, non? Il n'y a pas une cité plus loin, là, sur cette map de con? Attends, je vais ouvrir la map. Là où on nous dit trouver Seruna dans le village maudit. Il y a un village, là, quand tu suis vers le sud. Il y a un village, je crois, vers le sud. Oh, peut-être.
J'ai pas tant explosé que ça cette région-là. Hein. Moi, j'ai fait les trois premières et puis basta. Hein. Je crois. Ludern, j'ai pas fait des masses. Je crois. Ça me met le doute. Bah, je lui achète sa cam, hein. Vas-y. Parce qu'après, si je lui vends, moi je veux bien lui vendre à 126, mais le problème c'est que l'objectif de vendre des marchandises au double du prix d'achat, c'est pas atteint. Ouais. Donc. C'est 50%, hein, pas le double. Hein. Ah, 50%! Oh, bah attends, je peux donc lui vendre les poteries. Ça, je peux pas lui vendre, ça, je viens de lui acheter. Et les ambres, ça servait à rien, c'est le gros de notre matos. On est en surcharge. Oh. Bah donc je vais lui vendre les lances qu'on a. Que je peux pas équiper. Je pense que c'est ma faute. Les chaînes, pourquoi? Oh parce que regarde ce que je mets dans le coffre. Ah oui, il faut vraiment qu'on débloque ce truc hein. Ouais, ça va nous changer la vie hein. Bah, mais y'a pas que toi, hein, j'ai encore 9 carcasses qui traînent en fait. Tant qu'on faudrait presque qu'on fasse des séances à dormir hein, juste pour vider les stocks. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vend, Nekmetek? Ah, bah il me faut tout ton sel, ma gueule. Je cherche pas midi à 14h, le sel c'est pour moi. Ton gibier, y a pas besoin. Tac, la madame. Ah, oh, elle vend du chou. Elle vend du chou. Ouais, vas-y. Prends le chou. Et ça veut dire que je vais pouvoir refaire des plats de type 1. Voilà. De type retour au camp Wuchang, là. Hop, on va Wuchang Kong, vite fait. Ouais. Je t'en prie, vas-y. Hop, fesse. Tac. Il faut que je lui mette sa bouchette. Ah, mon bon monsieur. Après, du bouet d'anguille, voilà, je peux en faire deux. Si on est en surcharge, on a toujours la possibilité de dépenser 100 points de. 100 points pour gagner 50 de transport. Hein. Alors attention. Aussi. Petit ragoût, monsieur. Nos premiers ragoûts, les meilleurs, voici un point de connaissance, ça me fait plaisir. Et ça me fait plaisir, si c'est moi qui offre. Bien, je l'utilise dès maintenant. Pourquoi il me reste une anguille sur les côtes? Ah, c'est parce qu'il faut deux anguilles pour le brouet. Ah, il faut deux anguilles pour le brouet. Et je vais l'utiliser dès maintenant pour monter le mannequin d'entraînement. Étendoir à peau. Étendoir à peau. Il va me falloir... Ah, il va me falloir des cornes. Ouais, mais étendoir à peau, regarde, t'as déjà 24 carcasses à transformer dedans. Hein. Ouais. Ah, on n'a pas fini de transformer du cuir. Hein. On va ramasser un peu de cuir ces temps-ci. Et d'ailleurs, même si tu veux que je t'enfonce, regarde, tiens, je t'enfonce jusqu'au bout là, vraiment, ça me fait plaisir. Allez hop, t'en as 33 à transformer. Deux choses. Oui. Il va me falloir 11 de bois, s'il te plaît. Je suis en train de me demander si je te veux, t'équilibre pas ça. Tac. Attends, je suis en train de te soulager un peu aussi le taf de ton côté. Mm-hmm. J'en prends 12 de mon côté. Je les recharge là-dedans. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de carcasses. Que moi, je suis en train d'en transformer 16 sur mon séchoir à viande. Et t'es en train d'en transformer 21. Donc, ouais, on a 37 x 2, on a 60 kilos de poids mort. Ouais, littéralement sur les côtes. Donc plus 33 x 3 90 99 100 les carcasses de fantômes coûtent pèsent 3. Ah, pèsent 3. J'en ai 35. Ouais, j'en ai 35 sur moi. Et non. Est-ce combien ce truc là? Ah, je vois plus le poids des carcasses de base. Donc tu veux dire que tes carcasses elles pèsent encore plus lourd que nos cuirs. Putain. Alors excuse-moi, ouais. Tu m'avais demandé du bois, je crois, des trucs, des machins. Ouais, du bois, de la corde et du tissu. Et les cordes, j'ai pas, hein. Cordes, j'en ai jamais, hein. C'est toi qui les as toutes, hein. Il va falloir qu'on... Donc tu vois, quand tu me disais, oui, chambre... C'est que pour faire des cordes. Ouais, bah... ouais, c'est que pour faire des cordes, ouais. Que pour faire un truc qu'on n'a pas... Ah oui, tiens, j'ai des fleurettes. Je viens de voir... Ah, cool. Je viens de voir que j'avais des fleurettes. Corde, je peux en faire que deux, il va m'en manquer. Bah, 3. C'est ça, on n'a pas de corde. On est en bétail. Pourquoi on vient de passer en surpoids là d'un coup? Bah, parce que j'ai fabriqué des plats qui pèsent leur poids. Okay. Mais c'est pas fini puisque je peux. J'ai pris la pelle à sel. On va faire des porcs grillés. Hein. On va faire du porc grillé, mon bonhomme. Hein. On peut en faire pas mal. Hein. On va descendre.
On va descendre le stock de cochons, voilà. Je sais pas si on a gagné un peu de place. On a gagné un petit peu de place. Mais oui, on est clairement en surpoids. Après, tant pis, moi je vais voir les marchands, je vais vendre l'armure intermédiaire que je me traîne. Ah, quoi qu'elle est niveau 8, excusez-moi. Il serait pas niveau 8 mon mur? Ah, mon beau mur. Je perds 5 de transport. Ouais, c'est tout ce que je perds. Ah. Attends, j'ai tout gagné? Bah oui. Allez, changement d'armure. On perd 5 de transport, non! Non, non, on les a pas tout à fait perdus. Lieutenant Will. Lieutenant Will, on perd du crit, on perd de la force. Ah oui, on perd 4 de force parce que son armure elle a 2 emplacements. Mon lieutenant. Stevie, hein. Tu perds un peu de garde, tu perds. Ah oui, putain, oui, ils ont tous les deux une bonne armure, quoi. En fait, ils gagnent quoi? Ils gagnent rien. Ça n'a aucun intérêt, ton armure c'est de la merde. Hop, on vend une armure. Bonjour, madame. Ah non, on vend une armure ou tu veux la désosser? Ah oui, c'est vrai que désosser les choses, ça. Oui, parce que j'ai oublié, j'ai vendu des lances, mais en fait, c'est vrai que je peux te les refourguer. Hein. Tiens, cadeau. Ouais. Merci. Bah, je vais dans le camp. Oui, oui, je t'en prie. Excusez-moi. Ah, les matériaux bruts, on est en chien là. Hein. On souffre un peu en ce moment, je trouve. Ouais. Le jeu a décidé qu'on souffrirait. Il va falloir qu'on se mette à manger du pain. Hein. Ou alors, il va falloir croiser des clodos pour leur donner du pain, mais. Faut qu'on se débarrasse du pain. On a trop de pain. Toutes mes marchandises, si je pouvais essayer de réunir mes marchandises, ce serait pas mal. Quel coin pourri où il n'y a pas de forge, hein, vraiment, mais quelle déception. Oui, je suis d'accord. Il va me manquer 3 cordes, vraiment. Vraiment. Et encore, heureusement qu'on a acheté le chambre. Ah! Non! Oh! Vraiment, c'est la déception. Ah! Oh! Déception. À la taverne, compagnon! À la taverne, compagnon. Pourquoi la madame elle est en violet là? Est-ce que c'est l'informatrice? Ah. Des côtes de loup à la bière! You know what he did? The blighter switched sides. Dégâts critiques augmentés de 20%. Ah ouais. Je pense que ça t'intéresse pas, mais on va le prendre quand même. Non. Ouais. Et les côtes de loup à la bière, tout court, bien sûr. Allez, c'est dans la poche. Nous avait dit pitch, même si putain, on est vraiment carrément trop lourd. On est trop lourd. On est trop lourd. On est trop lourd. Alors. On a 14 jours. Attends, on a si peu de consommation? De quoi? De. En bouffe? Oui, oui. Ah mais oui, mais moi j'en ai autant parce que j'ai des animaux, c'est pour ça. Moi ce que je propose c'est de nous alléger sur certaines matières premières, puisqu'en vérité, sans givre acier, moi je peux rien faire. On soit bien clair. Ouais, est-ce que les carcasses fantômes, on en a vraiment besoin parce Oui, parce que en vrai, de mon côté, j'ai que 17 cuir blanc, donc j'en ai pas beaucoup. Par contre, j'ai 69 cuirs, et on est en train de fabriquer des cuirs. Donc les cuirs, à la limite, je peux en passer, mais ce que surtout je pensais passer, en vérité, c'est le bois et le fer. Parce qu'on lance trimballe avec 38 unités en tout et pour tout, mais qui ne me servent à rien, puisque je ne peux rien forger tant que j'ai pas de givracier. Et qu'on sait très bien qu'il y a d'autres régions où on en trouvera plus. Donc on sait très bien qu'à Stromcap, on peut faire une tournée des mines, des piliers de bûcherons. Voilà. Donc je suis en train de me dire, ça, on peut le passer par-dessus bord. Vas-y, passe-le par-dessus bord. Excusez-moi. Voilà. Revendeur acharné, succès, j'ai débloqué. Ça me fait plaisir. Oui, j'ai vu. Ça me fait plaisir. Attends, j'organise l'inventaire. Les champignons, il n'y a plus besoin. Largement assez. Tiens, prends de la viande, ma gueule. Hein, parce qu'après tout, on fait de la bouffe, mais autant te le passer aussi, mon gars. J'ai du chiffon par ici. J'ai 3 bouts de pain, on va se les passer au prochain repas, je pense. Ça dépend si on peut bouger ou pas. On peut bouger. Ok. Oui, et dégâts critiques augmentés de 20%, mais j'ai pas de quoi fabriquer sa recette, donc j'aurais bien pris sa recette puisque financièrement on n'est pas trop mal. Qu'est-ce que t'en penses? Enfin, j'aurais acheté sa gamelle là. Oui, mais on n'a pas de gros. Oui, tu peux acheter sa gamelle. Ouais, comme ça on a 20% de critique jusqu'au prochain repos, puisqu'on va aller dans des régions où on va se taper des loups un peu énervés. Enfin, pas des loups, des cadavres. Cadavres un peu chauds. On va se taper tout court. On va se taper tout court, ouais. Que voilà, c'est pris. Au moins, comme ça, on a ça en stock aussi. Et on peut partir. En vrai, idéalement, faudrait même aller faire des ruines à l'heure actuelle.
Oui, oui, complètement, mais bah justement, là, si on peut aller lui négocier, moi, je serais chaud pour aller faire les ruines. Et bah consultons la madame, parce que maintenant, ça y est, on peut lui négocier ces trucs, non? Normalement, oui. Ok. Comment ça, normalement, oui? J'aime pas quand tu me dis normalement, oui. Normalement, oui. Moi, je préfère que tu me dises genre, oui, mec. Carrément. Apprendre 5 recettes de cuisine. Ah, on a débloqué un petit peu. Très bien. Donc, nous, ce qui nous intéresse, on a dit... Moi, j'ai vu le mot mine. Oui, oui, il y a une histoire de mine, là, je crois, dans cette map. Où ça, en bas? Ouais, en bas, un peu plus bas. Ancienne tour de guet des Doran. Non, je vois pas mine. Ah oui, les bandits envahissent l'ancienne mine. Ouais, ouais, on peut prendre l'ancienne mine, hein, carrément. Hein. Je suis pas sûr que... Mais je peux pas la négocier? Non, je peux pas la négocier. Pas. On peut rien négocier, mec. Comment ça... C'est quoi ce bordel? Ah bah non, il nous manque 3 points pour pouvoir... Eh ben, je vais prendre la quête d'assassinat, comme ça on se remplit les poches, voilà, c'est sur le chemin après tout. Osef. Okay. On n'a pas, et en plus ils ont même pas la quête de la ruine. Normal, on l'a découvert en arrivant. Et au passage, ça serait bien qu'on économise des torches du coup. Oui, t'es en train de me dire que je peux voler ça? Oui, oui, bien sûr, je suis d'accord. Non, je ne volerai rien. Oh, un petit racket comme ça, un petit racket. Bon bah c'est rien à voir ici. Non, elles vont que des infos nulles, elles ne servent à rien. Okay. Rien, tu sers à rien. Fait, moi j'ai un gros souci avec ça, c'est que l'informatrice elle sert à rien en fait. Oui oui, elle sert à rien. Tu me dirais oui, elle te permet quand même de révéler des petits machins, des trucs. Alors l'avant-poste commercial de Luderne ne sert à rien. Le marché, on a fait le tour, la maison communale. Je sais même pas s'il y a quelque chose là-dedans. Ah, il y a des gens, hein, il y a des gens. Ah oh, ouais, 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 j'ai vu ce coffre aussi, ouais. Parle-nous de ce coffre. Le chien, t'es en train de... Arrête. Et ma peluche. Café, hein. Il est pas bon ce café, là, qu'on va filer. C'est quoi la marque que je tire dessus, là? Je le défonce, là. San Marco, là. Dégueulasse. Enfin, dégueulasse. Pas bon. Est-ce qu'on essaye d'aller au... au truc de la... Oui, j'étais bête d'ailleurs pour nous alléger, j'ai été couillon. T'aurais pu nous... me dire que j'étais couillon. Parce que, en fait, j'aurais pu te filer le fer pour faire des tas de crochets, des conneries, des machins. J'en ai déjà plein des crochets. Oui, non, on aurait par contre... Tu sais, pour faire du craft, pour faire du craft, pour faire de l'XP, quoi, en fait, tout simplement. Le bois, on peut le prendre, le bois. Dommage. Non, 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 je vole pas. Mais... Non, non, mais y a pas besoin, surtout qu'on vient de le jeter par-dessus. Pas besoin, quoi. Je te laisse parler à qui tu veux, là-dedans, je connais pas les gens. Hein. Attends, t'as acheté tout le bois? J'ai jeté tout, bien sûr. C'est pour ça que je t'ai dit, si tu veux quelque chose, c'est maintenant. Voilà. C'est parti par-dessus bord, monsieur. Je te sens perturbé. Allô? Allô? J'avais besoin de bois pour faire les tendoirs à peau. Bah, il fallait me le demander dans ces cas-là. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais je te l'ai demandé! Je te l'ai demandé, allez, c'est bon. C'est pas vraiment ce qui s'est passé, j'ai des preuves en vidéo. Mais tu veux pas parler aux gens? Ok. Non, ils m'emmerdent. Ok, ok, bah si tu le prends comme ça. Alors attends, il y a des marchands, il y a des voyous qui courent partout. On peut aller voir nos amis les marchands, hein. Il y en a qui est juste là. Ah merde, il est plus là. Après, il y a des bandits qui courent dans la plaine. La plaine armoricaine. Ah. Est-ce qu'ils vendent des trucs résidus alchimiques? Ouais, j'en ai déjà. Ah, intéressant. Y'a des choses qui t'intéressent là-dedans? Genre, Saul des montagnes peut-être? Je sais pas. Oh, je peux lui acheter ces deux outils? Vas-y, allô, achète-lui. Ouais. Oui, oui, achète-lui. Et récupère du bois, hein, si t'as besoin de bois, hein, garçon, c'est le moment. Hein. Voilà, tu me dis si tu veux qu'on retourne en ville racheter deux bouts de bois, on a les moyens. Non, c'est bon, allez, vas-y. T'es sûr? Bon, y'a des connards dans Ah bah, tu vas où toi? Bon. C'est débarrasser du fer pour aller le rechercher. Non, je me débarrasse pas du fer pour aller le rechercher. Je piton piole, d'accord. Parce que moi je suis un vrai stratégique. Voilà. Mais qu'est-ce que tu fais? Wait, what? J'ai l'impression qu'on joue pas au même jeu là. J'ai l'impression que ma connexion elle est pas d'accord. Ouais, mais en même temps,
je crois que tu l'as légèrement bug. Non, je télécharge des extrêmement importants. Ouais. Oula. Ouais, bon, ça rame un peu, quoi. Allez, viens. Viens. Mais non, mais bon, on reprend la montagne, tu fais quoi? Mais non, viens. Il y a le village, là, là-bas, là-bas, là, quel là. Quel village? Village de con, là. Ah bah oui. Donc c'est bien ce que je te disais, il y avait un village. Voilà. Donc là, on va à la ferme. Ferme. C'est une sorte de village, quoi. Mais... Voilà. Tu laisses prendre la babiole ? Ouais. Si t'as pris le tissu, sache que j'en ai aussi, hein, de mon côté. Hein. Ouais, ouais, t'inquiète, j'ai ce que j'allais. Moi, je t'informe. On leur parle, on fait quoi ? Y a pas du chanvre qui traîne quelque part ? Non. Oh, par contre, ça vaudrait le coup de leur douiller les. Bref. Oui, on peut leur parler. Y a pas un autre coffre ici ? Si, si. Y a un truc. Ah, y a quelqu'un de caché. Bonjour. Please, no. Don't tell anyone. Alors attends, avant de la dénoncer. T'as un remède contre la peste sur toi, garçon ? Ouais, j'en ai un. Okay. Bah donne-lui, vas-y. Si tu veux, ça résout tous les problèmes. Plus de raison de la rechercher. Nous avons cassé votre quête. Voilà. Quelle sorcellerie ? Alors, la médecine. C'est parce qu'on dit de la sorcellerie. I think twice about how I use mine. And now we'll take our leave. We're done here. Bah voilà. Bon allez les boys, vous êtes contents. I don't even know where to start. Bon, il a une bonne gueule lui hein. Lui il a une bonne gueule hein. Un collier à dents. Ouais. Pam 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 pam. Ouais. On a plus de cochons, Shina il s'est suicidé. Est-ce que maintenant on peut vous piquer allez, une anguille là, lâchez-nous une anguille là. Faites pas vos chiens. Franchement, bon, tu vas aller te taper les macabées ou quoi? Ouais, allez, vas-y, viens. Viens, on y va. Ouh, hop. Mais, hey, on passe par la montagne, alors. Hein. Ouais. Comme ça, je peux poser Petit Python. As-tu vu le mont Petit Python? Oui, j'ai vu ce film qui est trop bien. Jamais vu aucun mont Petit Python en entier. Par contre, j'en ai tellement vu des morceaux à gauche à droite que je crois que j'ai vu le film entier, en fait. crois que j'ai vu le film en entier, en vrai. Sans jamais le voir. Alors, à mon petit python. Oula. C'est bon. J'ai une arnaque là. Tu lag. Ouais, non, mais les fichiers extrêmement importants. Je te dis, j'avais pas prévu de vous croiser. Oh, par contre, t'as vu, on a des bonus de trouvailles. Hein, ça rigole pas. Hein. Ouais. Voilà. Je crois que c'est le village qu'on cherche. Hein. Ouais. Attends, il y a des plantouilles ici. Oh, y a des moustiques aussi. Alors vas-y, on se fait un moustique quand même. Non. Mais c'est bientôt la fin de la journée. On se fait un moustique. On n'en parle plus. Et après, repos. Voilà. Le bonus d'XP jusqu'au bout. Allez. Allez, à Jacques Taes. On est là pour ça, non? Ah oui, le bonus de récolte, c'est grâce à la bannière. Bah oui, je sais. Ouh. Moi, j'avais oublié, mec. C'est vrai, c'est passé plus discours. Ah, alors c'est vrai que ça sera un combat sans points. Ça sera un combat sans aucun point. Est-ce que c'est une vague impression? Le placement de nos troupes sont particulièrement dégueulasses. Et que la map en plus est particulièrement dégueulasse. Un truc qu'il faudra qu'on augmente et qu'on prenne, c'est la table de stratégie. À un moment donné. C'est de la merde, y'a rien dedans. Elle est nulle en vrai, je suis désolé mais... Je la trouve vraiment pas juste terrible. Pour avoir les juste pour avoir voir tes gars plus regroupés, c'est tout. Ah oui, avoir un meilleur groupement de la troupe, ouais. Ouais, je peux entendre ça, ouais. J'espère bien que tu peux l'entendre.
Moi j'ai juste collé ma C'est merdique hein. Ah ouais non mais c'est merdique à souhait de toute façon hein. Là il y a pas le jeu il m'a dit ouais en emplacement la map est dégueulasse, c'est du gaz partout. Ouais. C'est du gaz, c'est pas de chaud. Pardon. Oh, bah en plus c'est vert. Oh. Ça marche ça compte. Ouais. Eh ben vas-y hein, je te laisse jouer à mon beau mur. Hein. Bah... Celui qui va jouer n'atteint pas. Ah si, il atteint Oath the Bard. Bah si, il atteint Oath the Bard, c'est pour ça que j'étais en train de me dire peut-être genre juste Oath the Bard, mais non, faut que je joue à mon beau mur parce qu'on n'a pas de points. Je vais l'amener à mon beau mur par ici. Ouais, malheureusement le moustique choisira quand même Oath the Bard. Eh oui. Oath the Bard est engagé. Bah oui, Oath the Bard est engagé, c'est chiant. Attends, Oath the Bard peut se désengager. Oui, il peut se prendre une attaque d'opportunité, hein, c'est pas... Non, non, même pas. Juste, j'ai couru. Il a la course, hein. C'est... Ok. C'est lui qui a la course. Ah oui, hein. Enfin. Dans tous mes vœux, enfin, c'est lui qui a la course, hein. Ouais. Passage de côte. Voilà. Quand t'es même pas foutu de tuer trois moustiques avec ton marteau. Ouais, bon... T'appelles vraiment la tapette à mouche, j'en ai une. Il y en a une de tapette à mouche ici. Je vais tuer celui-là et puis on n'en parle plus quoi. Ah, c'est bon, t'en as quand même buté deux. Ah, mais j'ai encore autant de déplacements que ça ? Bonjour. Mais oui. Bon, c'est pas mal. Le prochain à jouer est là-bas. Il y a lui à jouer. Tirailleuse. Je peux jouer Taurus si vous voulez. Non. Un lancier peut-être. Non, on n'a pas de points. Laisse tomber, vas-y. Si Taurus, tu veux. Ah oui, c'est en contrebas. Bah tiens, tu sais quoi, si ce que je peux faire, c'est te mettre un lancier into lancier. Comme ça, au moins, ils ont la brutalité. Et je nous fais du point en nous éloignant doucement de tous ces problèmes. Peut-être aller soutenir Edenal, maintenant qu'il est engagé. Tirailleuse, maintenant qu'il est engagé. Je vais aller la dégager avec une petite Sophia. Hein. Ouais. Est-ce que, avec Sophia, tu passerais pas d'abord à côté des deux lieutenants pour donner, pareil, le boost d'ordre? Oui, les Sophia sont potes. Alors là. C'est quand même qu'il reconnaît de toi que tu es un homme avec une lance. Hein. C'est quand même ça que ça veut dire. C'est incroyable. Hein, genre. J'utiliserai presque le point que je viens de générer pour soigner Tirailleuse, mais non. Non. Ça vaut pas le coup. Pas pour l'instant, parce qu'à mon avis, il va encore prendre une caisse. Mais à quoi que c'est pas dit. Non, c'est Edenal là qui prend une caisse. Qui est le prochain à jouer? Ça va être en bas. C'est un stick move cardinal. On peut pas faire grand chose. Je peux générer un point avec Zinlen si jamais. Générer un point avec Zinlen? Ah oui, en tirant sur quelque chose qui est quasiment mort. Ouais. C'est ça. Ouais, si tu veux, vas-y, ouais, carrément, pourquoi pas. Hein. Ça fera déjà un point. Hein. C'est pas une mauvaise chose. Hein. Ah, Zinlen et Mélanie de son pote. Aïe. Ça prend. Ouais. Il va me falloir l'aide des lieutenants là. Lieutenant, tu recules s'il vous plaît. Pourquoi tu coules le chien? Putain, quand tu te dis qu'on n'est pas foutu de. Pourquoi t'es pas allé? Ah, la cheveux au corps à corps, parce que. Brouillard. Poison.
et j'avais pas envie d'être empoisonné, into un autre moustique dans la gueule, je me suis dit que c'était tout sauf une bonne idée. Je peux me rapprocher de Tega sans crever? Oui. Voilà, je joue ma vie, parce que je voulais pas qu'elle se prenne un moustique. Voilà. Ok, Totorus il a pas encore joué. Ben augmente les dégâts de tout le monde avec Totorus, même si c'est pas vraiment nécessaire avec les moustiques hein. Ouais, ça nous donne quand même 3 tours. Bon, même tes archers vont prendre un peu, Mélanine va prendre un peu. On est quand même sur des bestioles qui courent un peu. Ouais, ah c'est vrai qu'il est engagé contre rien du tout lui. Bon bah il sera jamais engagé contre quoi que ce soit. Tu lui as mis lui explosif? Non. Non j'ai rien mis, moi je sais pas, tu m'as pas dit quoi mettre sur qui, donc j'ai pas touché aux huiles. Bah les huiles tu peux les prendre comme tu veux, t'es libre de les utiliser. Hein. Ouais mais c'est toi le stratège tactique, décryptage, règles, machin. Bon après moi je dis juste sur quoi taper hein. C'est toi qui décrypte le jeu pour le casser, hein. Moi je fais pas ça. D'ailleurs, au passage, j'ai trouvé. Sur YouTube, on a rien à foutre, mais moi je fais une parenthèse. Pour ma fifi, j'ai trouvé la connaissance associée, que je ne retrouvais pas. C'était pas la connaissance des Tussis, mais des fabriques. Voilà. Ah, qui donc inclut effectivement les tissus, les dentelles, les fourrures. D'accord. Voilà, les agglomérés de poils, tout ça. Ok, c'est bon, allez, pas bon. Ça va engager une. Ah, ça te fait forcément prendre du poison. Hein. Ouais, c'est chiant. T'es peut-être pas obligé. Si, je m'en fous. Peut-être attendre que sinon. Soit le tour de Mavig et que Mavig. Oups, oh, 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 ça fait mal ça. Hein. Ouais, pareil, je peux voir les feuilles. La stat d'un stick mou là, parce que je. Est-ce qu'on peut voir la stat d'un stick mou à un moment donné là c'est... Vas-y. Ça, j'aimerais bien voir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est vos stats là? Parce que vous avez l'air aussi d'avoir une volonté de dingue là. Bah, ils ont volonté 15, vas-y, les stick mou ils ont 15 de volonté, ça rase. Ils ont plus de volonté que nous. Mais tout le monde a plus de volonté que nous, c'est la honte. Si tu veux, je te joue un lieutenant pour te dégager d'un stick mou. Non, t'inquiète, je vais gérer ça. Mais oui, parce que t'as le point pour si tu le tues, ton stick mook. Hein? Ah, t'as frappé avec. Ok, je pensais que t'allais frapper avec un archer. J'ai rien dit. Ah oui, tu génères 2 points par 2 points du coup. Je sais pas si t'avais vu parce que t'étais en train de parler à Toutoun, mais. Oui, t'inquiète, j'ai vu. C'est pour ça que j'y suis allé. Voilà! On a généré. Soigne quelqu'un à côté de toi, peut-être. Parce qu'il est à peine 24 PV, j'en sais rien. Ou déplace-toi, je sais pas, fais ce que tu veux, cours, signe tout machin. Ce que tu veux. T'inquiète. Regarde. Petite course? Petite course là-dedans, hein. Ce massacre. Ah là tu te régales hein. Là d'avoir des points comme ça à l'infini. De par deux là. On sent que Sophia elle mange. Hamdoul là. Non, ramène-toi contre un lieutenant que je puisse te soigner. C'est ce que j'allais faire. T'es à 6 de poison, tu vas prendre une caisse là dès que tu as passé ton tour. Glorieux. Ouais. Ouais glorieux mais douloureux. Par contre vraiment, il faut vraiment que t'arrêtes de te placer de manière à m'obliger à faire des détours. Hein. C'est vraiment toujours la pire de tes idées en fait. C'est pas grave, je vais te soigner quand même. Oui mais non parce que du coup je peux aller moins loin. Ce qui est un problème. Genre en fait le boostique qui peut jouer là, je peux pas aller l'atteindre. Ça va, on a encore 2 personnes pour jouer avant. Donc ça c'est chiant. Comment ça? Un Edenal, des Edenal. Comment ça? Comment ça enculé? Oh mais salope de pute. Oh la salope de pute. Eh, hey, sois poli, c'est salope de pute de sa mère. Ah, mais au moins. Mais hein. Putain. Galvanisé, oh. Bon, on a ça, nous? Je connaissais pas. Et t'as 2 points. Suivi de. What? Et t'as 2 points. Ah, je te soigne, hein. Moi, tu finis pas en dessous de la moitié de tes points de vie, je veux pas en entendre parler, hein. Okay. Voilà. Mavig, tabasser le moustique cardinal.
Voilà. Ah si, aussi sur. Ah oui, mais je peux pas te soigner, putain, je l'ai pas. J'ai pas le soin. Les esquives qui sortent de nulle part. On en parle ou pas? Les esquives qui sortent de nulle part? Sur Nahalbak. Ah oui. Oui, oui. Non, mais y'a rien qui va. Moi, j'ai passé mon barbare là à 14 ou à 16 d'adresse, j'arrive toujours pas à toucher les gens. Non, sûrement pas. Hors de question. Il en reste qu'un seul. Peut-être deux. Ah non, un. Bah, si Tyrius veut bien nous le finir, aimablement. C'est pas. Pas sûr ça encore. Si, ça va. Ça passe crème. Ça passe crème. Alors, t'as combien de blessés de ton côté? Zéro. Oh là là, j'ai 6 tryhards. Tryhards si fort. Crématorium. Campement. Campement, t'es trop loin. C'est toi qui es trop loin. C'est toi le trop loin, trop loin. Monsieur, le mec qui part dans la pampa comme ça. Oui, mais je le fais bien. Certes. Mais je le fais sur méga bien. On pourrait faire du pain, mais c'est une mauvaise idée, on va pas faire ça. Quelle heure est-il? Trop lourd de presque rien. Et bah moi je propose à YouTube ouais. Ah c'est parfait. Je dis au revoir. Ouais. À YouTube. Et on se retrouve au prochain épisode avec le repos sûrement déjà de fait. Ouais, des bisous. Bisous. Des bisous.